Stuttgart pour suivre eh bien, la suite de ces finales ici, de cette épreuve qualificative pour la prochaine Coupe du Monde, dont la finale, on le rappelle, aura lieu en novembre 2006. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est la particularité de ce calendrier gymnastique, hein, Laurent. Ça se dispute, ces épreuves de Coupe du Monde, sur 2 ans. 2 ans de qualification à travers les tournois de Coupe du Monde, mais aussi les compétitions majeures comme les championnats d'Europe, championnats du monde ou Jeux Olympiques qui comptent dans les qualifications. Ouais. Allez, les anneaux avec, pour débuter, Matteo Morandi, l'Italien. L'Italie très spécialisée dans les anneaux, puisqu'on ouais, se rappelle... C'est ce que j'allais vous dire, il y a une école italienne. On se rappelle le leader de cette école italienne qui était autre que Yuri Checchi, le seigneur des anneaux. Et ici, son compatriote qui poursuit la tradition. Tradition de force. Matteo Morandi. 9,675.